titre sur les promos Leclerc. Je vais vous présenter un peu mes achats pour vous montrer ce qu'on peut trouver. Il y a des choses vraiment très intéressantes. C'est aussi pour ça que je vais publier ma vidéo pendant la semaine, en fait, contrairement à d'habitude où je publie mes vidéos le samedi. Tout simplement pour que vous puissiez avoir le temps d'aller en magasin. Moi personnellement, dans ma ville déjà, on était en retard parce qu'il y a beaucoup d'autres villes où les promotions sont déjà passées. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont sur Montpellier, le Leclerc de Saint-Onès, je crois que c'est ça, oui. Le Leclerc de Saint-Onès donc a commencé donc le 20 mai, la publicité donc hier, j'y suis allée hier soir et j'ai trouvé pas mal de choses. Donc voilà, principalement trouver des produits plus de soins, hygiène, etc. Mais bon, c'était super intéressant et je vous mettrai toujours les prix voilà, sur l'écran en même temps parce que je ne me rappellerai plus. Bref, on commence. J'ai pris ce lot en fait de deux gels douche Condom. J'ai pris l'huile d'amande douce au beurre et beurre de karité. C'est le gel douche que j'utilise pour ma puce tout simplement. Voilà, c'était vraiment très intéressant au niveau du prix. C'est des 400 ml, donc il y en a pour super longtemps. Et il y en avait d'autres sortes aussi, il me semble. Voilà. Et gel douche Condom, moi je les aime bien, je les trouve pas agressifs. Et, voilà, ils sont sans parabènes, sans colorants, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans les gels douches, parce qu'il y en a beaucoup, un gel douche donc pour homme à la base, mais je pense que je vais l'utiliser aussi, c'est le gel douche Famen, donc c'est l'extrême cool fraîcheur arctique. Alors en fait, j'ai kiffé l'odeur. Je trouve que ce gel douche, il chante. Je suis fatiguée, je suis désolée. Entre parenthèses, je rentre de ma journée de boulot et je voulais absolument vous la filmer, donc je suis fatiguée, j'ai pas une tête très présentable, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc ce gel douche, il sent super bon, il sent le parfum pour homme. Très franchement, allez sentir ce gel douche, j'ai adoré. Il sent trop bon, trop trop bon, donc je pense que je vais l'utiliser. Donc pareil, là c'était un lot de deux, je ne sais plus le montant. Il y a des gels douche encore, oui. Donc j'ai pris un lot de deux gels douche Dove. Donc celui-ci c'est mon soin cocooning, lait de coco et pétales de jasmin. Bon déjà, voilà, bon, le packaging me plaisait déjà, les gels douche Dove en général je les aime bien, mais il sent vraiment trop bon. Il a une odeur toute douce, vraiment, très agréable. Je viens de foutre du rouge à lèvres sur mon truc, j'espère que je ne pas sur la figure. Bref, donc voilà, là c'était le lot des deux gels douche Dove de 400 ml. Aussi, on continue encore avec un gel douche. Oui, c'est le dernier promis, c'est les gels douches de la marque Cottage, donc c'est un duo de 250 ml, chacun j'ai pris au caramel. L'odeur, c'est un délice, c'est une tuerie, très franchement, on dirait même du caramel beurre salé, j'ai l'impression, enfin j'ai envie de le manger ce gel douche aussi. Voilà, c'est, on va dire c'est le seul gel douche voilà, plus sucré que les autres. Mais en tout cas, voilà, c'était super intéressant, donc j'ai pas hésité très longtemps. Ensuite, on va passer au shampoing. Oui, j'ai pris un shampoing, donc le shampoing Timothée Pur, cheveux normaux régressant vite, 0% silicone, parabène et 0% colorant, donc pareil, un lot de 2. C'est les seuls shampoings qui, je pense, correspondaient à mon type de cheveux. Il y avait un énorme choix de shampoing, un énorme choix de gel douche, Voilà, vous m'avez compris, un énorme choix quoi, dans toutes les gammes et dans toutes les marques, il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que tout le monde peut trouver son bonheur là-bas. Moi j'ai pris celui-ci, donc je vous en donnerai des nouvelles s'il est bien. Voilà, Timothée, j'en avais déjà entendu parler en bien, donc j'ai dit pourquoi pas tester. Pour aller avec, j'ai pris les après-shampoings de la même marque, sauf que j'ai pris la brun intense après-shampoing, cheveux bruns naturels ou colorés. Je vais pas y arriver. Naturel ou coloré, extrait de henné, 100% d'origine naturelle, zéro parabène. Voilà, donc je me suis dit, je vais essayer ce petit duo. J'espère qu'il est bien parce que du coup j'en ai 4. Mais bon voilà, on verra. C'était vraiment pas cher. Hein. Ensuite, le shampoing de la marque Saint-Al de Sayos. J'ai pris Kératine Perfection, il y en avait plusieurs également. Ça c'est plus pour mon chéri parce que je prends toujours des gros flacons. Il a tendance à en mettre 3 tonnes et il me gaspille mes shampoings à une vitesse folle. Donc voilà, ça c'est spécialement pour lui. Je le testerai quand même au cas où pour voir si c'est un shampoing exceptionnel, on sait jamais. Mais voilà, donc voilà. Ça aussi c'était super intéressant. Il y a deux flacons de 500 ml. Ensuite, pour continuer avec les soins d'hygiène, on va dire. Donc j'ai pris un lot de 3 Intima gel apaisant de toilette intime. J'ai pris à l'aloe vera, il y en avait aussi au cranberry, je crois. Voilà, c'était super intéressant. Il y en a 3 et voilà, c'est un truc dont on a toujours besoin. J'ai pris un lot de 2
gel pour cheveux. Hein. Voilà. Il y en a deux, mais là il n'y en a plus qu'un parce que mon chéri en a déjà pris. Ouais. Mais bon, voilà. Le principe. Hein. C'est les gels Vivaldop. Il y avait plusieurs marques aussi. Moi j'ai pris le fixation blindé. Évidemment, c'est pas pour moi, mais bon voilà. C'était intéressant aussi, donc j'en ai profité. En général, les promos Leclerc, c'est pour toute la famille, c'est ça qui est dans les gènes. J'ai pris un lot de deux masques ultra doux de chez Garnier à la mangue et à la fleur de Chiaré. Je n'ai pas senti encore l'odeur. Mais d'ailleurs, je vais la sentir maintenant, j'ai bien envie de l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir. Il sent trop bon. Ah mais c'est une ça sent vraiment... la mangue, je la sens pas trop, perso, je sens plus la fleur de chari, vraiment, on la ressent très très bien. Ça va sentir trop bon. Pour cet été, c'est génial. Franchement, j'adore. Déjà, je suis fan du gel douche Yves Rocher à la fleur de chari, pareil, parce qu'on a l'impression qu'on se lave avec du monoeil, c'est top. Et j'ai l'impression que j'ai trouvé le soin en cheveux équivalent, très franchement. Après, on verra ce que ça vaut au niveau voilà, soin du cheveu, mais déjà, au niveau d'odeur, je suis conquise. J'ai pris un lot de deux déodorants Mon Savon, lait et coton. 0,1% alcool, parabène, antitranspirant, efficacité 48 heures. Il faut qu'on m'explique un truc par rapport au déodorant. Pourquoi ils mettent efficacité 48 heures, 72 heures, 80 heures, j'en sais rien. Vous croyez sérieusement que les gens se lavent pendant 4-5 jours? Je sais pas, c'est bizarre quand même, non? Je suis la seule à me poser cette question ou... Enfin bon. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, ce petit duo de gel douche m'avait pas coûté bien cher aussi. Il sent très très bon. Celui-ci, je l'ai senti en magasin. Voilà. Il sent frais. Enfin, je ne saurais pas trop expliquer l'odeur, mais c'est vraiment super agréable. C'est le style d'odeur que j'adore. Voilà, top. Et puis les démons savons, j'ai déjà testé. J'avais bien aimé, donc... Un produit, donc ça je ne pourrais pas vous donner mon avis parce que je ne l'ai jamais testé. C'est une lotion très active sans alcool anti-imperfection de chez Mixa Expert. Donc c'est un duo hein, de produits. Il y a noté moins 50% d'imperfection en 4 semaines. Donc voilà, pour sensible à imperfection, réduit pores et imperfection sans assécher la peau, pardon. Donc voilà, je me suis dit je vais tester. Alors j'ai pas voilà, des tonnes de boutons quoi que ce soit, mais en fait j'ai des boutons bien spéciaux. En fait j'ai des boutons blancs mais qui ne se percent pas. En fait, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais il faut que j'aille à la dermatologue à chaque fois pour me les faire enlever, ça revient tout le temps. C'est pas flagrant, c'est pas horrible, mais bon ça m'embête un petit peu. Donc je me suis dit je vais tester des produits pour nettoyer un peu mes pores de peau, voir si ça fonctionne mieux. On va essayer, je vous en donnerai des nouvelles. Dans la gamme produits, voilà, toujours un peu soin, j'ai pris de la marque L'Oréal Paris le Sublimiste, soin des yeux anti-cernes, regard parfait, corrige cernes, réduit les poches, défatigue et élimine caféine et vitamine CG. Améliore la qualité de la peau. Alors ça, je l'ai eu hier, je l'ai déjà testé et je l'approuve déjà. Alors j'ai pas encore vu l'efficacité sur la durée, je vous l'avoue, mais très franchement déjà quand on l'applique, je trouve que visuellement déjà, ça réduit un peu les cernes. Voilà. Déjà c'est flagrant, le produit est facile à appliquer, c'est agréable, voilà, c'est rapide, il faut l'appliquer le matin et le soir. Donc je vous le dirai un peu plus tard si vraiment ça fonctionne, ça réduit visiblement les poches ou pas. Parce que moi j'ai des cernes, mais genre des cernes de fou, des cernes qui sont ancrées dans ma peau. Hein. C'est pas parce que je suis fatiguée, c'est que voilà, je suis comme ça, c'est ma peau, j'ai un visage cerné depuis que je suis née, voilà. Chacun ses problèmes. Mais bon voilà, en soi c'est pas très grave. Mais si je peux trouver un produit qui m'aide à corriger ça un petit peu, l'anti-cerne ça m'aide déjà pas mal. Mais si ça pouvait être un truc efficace sur la durée, ça serait génial. Donc voilà, je vous en reparle. J'ai acheté une mix à bébé crème hydratante, teintée, anti-rougeur, peau sensible et réactive à la teinte médium. Ce produit là, ça a été un gros problème. Voilà. Donc, alors je dis pas que c'est un mauvais produit, mais alors à moi, il ne m'a pas convenu du tout. Je l'ai testé déjà ce matin, en fait. Et en fait, comment je sais que ça ne me convient pas, mis à l'application, c'est que dès que je l'appliquais, déjà en soi, ça ne m'a pas unifié un truc de fou. C'était vraiment très léger. J'ai la bébé crème de Garnier qui fonctionne beaucoup mieux. Mais bon, bref, ça, c'était pas très grave. Mais le problème, c'est que dès que je l'appliquais, au niveau de mes joues, ça m'a brûlé quasi immédiatement, enfin ça m'a piqué, enfin, c'était insupportable. J'ai attendu une minute ou deux, je me suis dit c'est bizarre, c'est pas possible que ce soit ce produit là.
J'ai enlevé tout avec une eau, j'ai enlevé tout. Et en fait, c'était bien ce produit-là, je l'ai enlevé, j'ai plus rien senti, donc forcément, voilà, il n'y a pas de secret, c'était ce produit-là qui m'a piqué horriblement les joues. Donc je ne l'utiliserai pas, je vais le donner ou jeter, je n'en sais rien, mais voilà, c'est hors de question que j'achète ce produit. Je ne vous le conseille pas spécialement, après peut-être qu'à certaines personnes, il ne fait pas du tout cet effet-là. Si vous l'avez testé, laissez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. J'ai contacté immédiatement le service client de Mixa, je leur ai fait passer l'info, ils m'ont dit qu'ils allaient... voilà, qu'ils allaient faire remonter tout ça, ils doivent me rembourser, faire m'envoyer mon achat équivalent à la valeur du produit, donc ça c'est cool. Ils ont été très rapides, très efficaces, donc si jamais vous avez un souci avec n'importe quelle marque, je pense, il faut les contacter. Parce que des fois ça peut être un problème sur une série, sur un lot, sur le produit en lui-même, mais voilà, si personne jamais ne dit qu'il y a un problème, ça peut être un peu grave sur certaines personnes, donc voilà. Important à savoir, celui-ci je ne recommande pas de l'acheter. Dernier produit et unique produit maquillage. Alors je vous montre comme ça. C'est un rouge à lèvres de la marque Rimmel. C'est les mêmes que je vous ai présenté. Enfin, c'est la même gamme que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Comment dire? J'ai enlevé le packaging évidemment, parce que j'ai déjà porté. Et je l'adore. Je suis tombée amoureuse de ce rouge à lèvres dès le moment où je l'ai vu. C'est un violet, bon c'est un violet rose mais qui tire plus vers le violet. Mais surtout il a un effet métallisé. Il est trop beau, je vous montrerai en swatch, il est juste magnifique. Voilà, il était soldé évidemment aussi. Il y avait d'autres couleurs, mais voilà, c'était vraiment celle-ci sur laquelle j'ai eu un coup de cœur. A savoir qu'il y avait d'autres produits maquillage qui étaient soldés. Personnellement, il n'y avait rien qui m'intéressait, donc voilà, j'ai plus pris des produits du quotidien. Mais voilà, il y avait aussi pas mal de make-up, donc pour ceux que ça intéresse, allez vraiment jeter un coup d'œil. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous servira et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Si vous aussi vous avez fait des achats, dites-moi aussi, ça m'intéresse. Je suis super contente de mes achats, je trouve que c'est super intéressant, c'est la première année que je fais le promo Leclerc et à mon avis ce ne sera pas la dernière. Même si j'ai pas trop acheté de maquillage, voilà, j'ai acheté tous les produits que j'avais besoin pour un bon moment. Au final, sur ma facture totale, j'en ai eu pour 50€ voilà, de produits, tout ce que je vous ai montré et en fait, il y en avait pour 5, 6, 7. Il y en avait pour 80€ d'achat, donc pour 50€ acheté, j'ai eu 30€ d'économie, ce qui est super intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller assez rapidement parce que je pense que les stocks vont vite partir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.